Élevons nos voix pour célébrer ses bienfaits. Il a toujours été là, continuons de croire en ses promesses. Depuis une centaine d'années, nos croyances il a affirmé. Marchons unis pour que la terre la mérite d'entendre aujourd'hui. Que Jésus revient, il a promis qu'il viendra nous chercher. Il nous soutient quand nous sommes en danger. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers internautes, bonsoir et bienvenue à notre dernière rencontre autour du thème « Vivre au cœur de la crise ». Nous croyons que vous avez été richement bénis durant toute cette période où nous avons pu découvrir à nouveau la parole de Dieu et des sujets très pratiques. Parmi le nombre des bénédictions, certains ont décidé de faire alliance avec notre Seigneur en passant par les eaux du baptême. Gloire à Dieu. Vous vous demandez sans doute pourquoi le baptistère est encore ouvert. Est-ce qu'on a oublié de le refermer? Non, pas du tout. Nous avons encore une bénédiction ce soir, car une nouvelle âme a décidé ce jour d'offrir son cœur à notre Sauveur. Amen. Avant l'immersion de notre bien-aimé, nous vous proposons un moment de louange plus intense ce soir, avec les différentes formations musicales, chanteurs et musiciens, qui nous ont accompagnés durant toute cette période. Et nous, permettez-moi de remercier chaleureusement toute l'équipe musicale, les musiciens,
ainsi que les chantres, donc les chantres d'Éphèse, les chantres de Maranatha, ainsi que les jeunes chantres Light of Hope, qui se sont engagés, qui se sont mobilisés, alors qu'ils avaient des examens à passer, des partiels, des stages à réaliser. Ils ont décidé de consacrer ce temps-là à Dieu et nous en avons bénéficié. Amen. Nous pouvons leur démontrer notre appréciation et notre amour par de riches applaudissements. Gloire à Dieu. Nous avons également invité deux groupes ce soir qui partageront avec nous leur amour pour Dieu à travers des chants spéciaux. Il s'agit de Victory Song et d'un quatuor masculin G4. Merci infiniment pour votre apport à ce moment de louange. Et enfin, je voudrais remercier de façon toute particulière, de façon spéciale, deux personnes. Il s'agit de Fred Plumin, qui est en Guadeloupe, et c'est mon prédécesseur à la musique, ainsi que Patrice Nonsan, qui est de la Guyane, qui est responsable de la musique dans la mission de Guyane, compositeur. Nous voulons les remercier car ils ont harmonisé leur talent pour nous composer ce merveilleux chant-thème « Vive au cœur de la crise ». Nous voulons leur dire merci et nous prions Dieu pour qu'ils soient toujours inspirés par lui afin de continuer à créer des œuvres pour sa gloire. Je vous invite donc à profiter pleinement de ce moment de louange, de participer également et bien sûr d'être attentif au reste du programme. Bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, bonsoir à tous. Chers amis qui passaient, qui nous visitaient aussi, bonsoir. Vous allez bien? On se sent rafraîchi après ces deux semaines, n'est-ce pas? Amen. Vous qui nous regardez par internet également, j'espère que vous allez bien. Et maintenant, nous allons célébrer, proclamer pour ce dernier jour le nom de notre Dieu. Ô Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère, mais aussi combien Dieu est grand, je veux t'élever ce soir pour tout ce qui s'est passé depuis ces deux dernières semaines. Aujourd'hui encore, ton amour surabonde et a vaincu tout le mal de l'ennemi. Chantons.
ensemble combien Dieu est grand, et tous les grands combien, combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, le roi dans sa beauté, plus de majesté, plus de majesté, oh oui, la joie aujourd'hui, la terre est dans la joie. Sentir libre, libre de chanter, libre de louer en ce soir. Nos cœurs sont heureux, Dieu nous bénit, et pour ça, je vous invite à chanter avec nous ce chant, libre, libre de chanter. C'est là dans ton cœur tu cries tout bas. Que ferais-je, que ferais-je, Dieu? Vois mon désespoir. Oh, viens dissiper le noir. Dans ton cœur tu cries tout bas. Que je suis. Libre de chanter, libre
Église d'Éphèse, bonsoir. C'est un plaisir d'être ici pour cet effort d'évangélisation. Être avec vous pour voir, louer et célébrer le nom de notre Dieu. J'aimerais voir juste les mains de ceux qui sont venus pour louer notre Dieu en ce... Aujourd'hui, quel jour ? Dimanche. Dimanche, merci. Dimanche. On est là pour louer ensemble le nom de Dieu. Alors Christophe, qu'est-ce qu'on va chanter avec notre assemblée en ce soir ? Oui, parce qu'on ne va pas chanter tout seul. On va leur faire une pause, ils ont déjà un peu mal aux doigts alors qu'ils viennent de commencer. Mais ça, ce n'est pas grave, on les embête. On va chanter « Qui sont ces gens au radieux visage ?» et avec « Tout joyeux, bénissons le Seigneur. » Au numéro 410, 505. Wow. Qui sont ces gens au radieux visage que par-delà les flots tumultueux je vois là-bas sur le rivage s'assembler pour monter aux cieux des palmes à la main et couronnées de gloire. Ils vont chantant le cantique nouveau, heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Ce sont des rois, jadis pauvres esclaves, dont Jésus-Christ a fait tomber les fers, libres enfin de leurs entraves. Ils vont régner sur l'univers, des palmes à la main et couronnées de gloire. Ils vont chantant le cantique nouveau, heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons sa louange. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter son petit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce chant retentit en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentit en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour ton âme. Il a voulu expier nos offres en ouvrant lui sur le bois d'infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce chant retentit en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentit en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun de amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que
ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Assoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens, Jésus, je viens, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens, Jésus, je viens, Jésus, je viens, je viens, je viens, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son saint courroux, fermé mon cœur à sa grâce, blessé le sien devant tout. Jésus, je viens, Jésus, je viens, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens, Jésus, je viens, Jésus, je viens, je viens, je viens, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens, Jésus, je viens, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens, Jésus, je viens, Jésus, je viens, je viens, je viens, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens, Jésus, je viens, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens, Jésus, je viens, Jésus, je viens, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Jésus, je viens, Jésus, je viens, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens, Jésus, je viens, Jésus, je viens, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Maranatha, nous voulons vraiment vous transmettre ce message d'espoir. Jésus revient bientôt. Amen. Amen.
bénir notre nom de notre Dieu, parce que ce soir, une âme va se donner à Dieu. Nous avons la joie au cœur. Béni soit notre Dieu avec nous. Sommes heureux d'être dans la maison de l'Éternel. Amen. Qui est heureux? Laissez-moi voir les mains. Tout le monde est heureux d'être dans la maison du Seigneur. Gloire à notre Dieu. Je voudrais vous inviter, chers amis, chers frères et sœurs, chers internautes qui nous regardent en ce soir, de prendre le temps d'entrer en vous-même et de faire que ces paroles que nous allons chanter maintenant soient les vôtres. Vraiment. C'est le psaume 23. Pour ne rien vous cacher, nous allons le chanter et laisser ces paroles pénétrer et en vous. Et laissez les devenir les vôtres tous les jours de votre vie. Amen. Louons notre Dieu, le psaume 23, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de belles pâturages.
La lettre de mission de nous chrétiens, elle se trouve dans le livre de Matthieu. Allez, faites de toutes les nations, on va la dire ensemble. Allez, faites de toutes les nations des disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et c'est ce qui s'est passé ici pendant 2 semaines. Alléluia, gloire à Dieu. Écoutons l'appel du berger. Il sait ses brebis en danger. Alors, il nous invite à les chercher pendant que le temps, nous avons encore le temps. Amen. Écoutez-la. Écoutez-la, appel du berger. Il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Je ne
Dans une langue que j'aime beaucoup, la langue maternelle, le créole. Bon Dieu, bon mamay. Oui. En saison la pluie, en saison tonnet, bon Dieu, bon, et puis nous quand même. Alors si vent qu'a soufflé à dans la vie, sous qu'a senti que tempête qu'a brené, mon petit parole que moi aimais, ou peut plier, mais nous pas qu'a casser au nom de Jésus. Amen. On nous tient bien fort. Bon Dieu qu'a viré. Très bientôt, nous allons chanter l'histoire de là. Je vais raconter au sabon Dieu fait ben moi. Amen. Oui, moi, les louer. Oui, moi, les toujours chanter. Oui, moi, les louer. Oui, moi, les toujours chanter. Oh yeah, oh yeah, lele mama. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, lele mama. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, lele mama. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, moi, les raconter. Bon Dieu, sauvez-moi. Touchez-moi, lavez-moi. Bah-moi la vie, oui, moi les louer. Oui, moi les chanter. Marcher et puis on m'y bonnet tous les jours. Vent et souffler sans ou comprendre pour faire douter. Dis pardon, bon Dieu, au nom paladier. Faut jamais, si il est moi, il pas que là, Dieu bon Dieu, toujours là, de tes côtés. Oh yeah, moi les raconter, bon Dieu sauvez-moi, touchez-moi, lavez-moi, par moi la vie, oui moi les louer, oui moi les chanter. Et puis on m'y bonnet tous les jours. Vini goûter mon yeh, et bon Jéhovah, c'est papa l'amour qui n'a pas donné tout trop tes déchets. Pas qu'à compter ni rassembler, qu'à effacer pour oublier, confesser péché, ouais, ok, ouais. Moi les raconter, bon Dieu sauvez-moi, touchez-moi, lavez-moi, bah-moi la vie, oui moi les louer, oui moi les chanter, marcher et puis on m'y bonnet tous les jours. Vini goûter mon yeh, et bon Jéhovah, c'est papa l'amour qui n'a pas donné tout trop tes péchés. Pas qu'à compter ni rassembler, qu'à effacer pour oublier, confesser péchés, ouais, ok, ouais. Moi les raconter, bon Dieu sauvez-moi, touchez-moi, lavez-moi, bah moi la vie, oui, moi les louer.
louer, oui moi les chanter, marcher et puis on me bonnet tous les jours. Vini goûter mon yé et manger au basse papa l'ambou qui n'a pas donné tout trop tes péchés. Amen. Mes amis, nous sommes dans la joie, amen. Nous sommes dans la joie, amen. Nous sommes dans la joie parce que Dieu nous bénit. Je ne peux que resplendir la joie parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous sommes remplis de son amour. Et Christ est notre... Christ, on reprend ça. Christ est notre... Plus de conviction. Les murs doivent trembler parce que Christ est notre... Amen, alléluia. Christ est notre rocher. Parce qu'il est notre rocher, notre forteresse et notre salut, nous allons nous tenir debout, telle l'armée céleste que nous sommes ici à Éphèse, n'est-ce pas? Nous allons célébrer et je veux vous entendre chanter. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Oh, je ne crains rien. Que mille tombent à ma droite aujourd'hui, car je suis avec Jésus. Amen. Oh,
gloire soit rendue à notre Dieu ce soir. Oh oui, mon âme espère en l'Éternel. Et c'est parce que mon âme espère en ce soir que je veux dire, Seigneur, oh, tu es merveilleux. Tu es merveilleux car nous avons eu toutes ces deux semaines la présence de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, une personne a choisi de donner sa vie à Christ encore. Il a accepté de le suivre. Et nous allons l'encourager en lui disant que la route du chrétien, même si elle est jonchée parfois d'épreuves, notre Seigneur peut tout. Amen. Notre Seigneur peut tout. Nul n'est comme lui. Amen. Nul n'est comme lui. Nous ne pouvons que lui faire confiance dans ces temps difficiles. Ô Seigneur, tu es merveilleux, majestueux, victorieux. C'est là notre espérance. Oh oui. Yeah.
Gloire, puissance soit rendue à notre Dieu, mes amis. Que Dieu soit glorifié en ce soir. Bonne soirée. Nous allons prier notre Dieu. Inclinons, mettons-nous debout et adoptons une attitude révérencieuse. Ô notre Dieu, notre Père, nous te prions. Nous te prions pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à ce jour. Garde-nous, ô purifie-nous et fortifie-nous. Que ta présence puisse continuer de circuler dans ce lieu et permet que nous puissions jouir et profiter de cet instant. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Amis, c'est avec joie que ce matin je viens vous transmettre mes salutations fraternelles et toutes mes sincères félicitations. Le choix que vous venez de prendre est un choix fondamental et capital dans la vie d'un homme, s'engager avec Jésus-Christ. Aussi, en tant que pasteur de l'Église Adventiste d'Éphèse et président de cette fédération, je veux vous transmettre mes sincères félicitations et tous mes encouragements. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne et qu'il prenne soin de vous dans votre lutte, dans votre cheminement avec lui jusqu'à ce qu'il vienne. Bon courage et que Dieu vous bénisse. Vous avez entendu les encouragements de Pasteur Lambert qui ne peut être avec nous. Elles sont aussi adressées à Hilaire, connu sous le nom de Léo Ostend, qui a, après un long parcours, décidé de revenir à son Seigneur. Je voudrais, ce matin, il a rencontré Pasteur Florentin et lui a dit, il reste encore de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Je vais donc lui poser les trois questions, nous avons vu l'ensemble des choses, après quoi Pasteur Florentin priera avec lui et ce sera une joie de l'immerger au nom du Seigneur. Acceptes-tu Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel et désires-tu vivre avec lui une relation salvatrice? Acceptes-tu les enseignements de la Bible tels qu'ils sont exprimés dans la Déclaration des croyances fondamentales des Églises Adventistes du septième jour et t'engages-tu par la grâce de Dieu à vivre en harmonie avec ces enseignements? Désires-tu être baptisé pour témoigner publiquement de ta foi en Jésus? Être accepté dans la communauté de l'Église Adventiste du septième jour et soutenir fidèlement l'Église et sa mission par ton influence, par tes dîmes, tes offrandes et une vie de service. Il a répondu aux questions. Maintenant, je ne vais pas faire voter l'Église d'Éphèse parce qu'il va se joindre à l'Église de Morija qui le recevra comme membre sabbat prochain et c'est elle qui t'accepta de le recevoir comme membre. Nous allons maintenant prier avec lui et ensuite nous allons avoir l'immersion. Nous allons nous prosterner. Je demande à l'Église d'adopter une attitude révérencieuse. Notre Dieu, notre Père, nos cœurs sont remplis d'émotions ce soir à la vue de ton Fils qui vient vers toi ce soir pour te donner sa vie dans les eaux baptismales. Tu as parlé à son cœur et il n'a pas résisté à ta voix. Et ce soir, d'une manière toute particulière, nous voulons te le présenter. Tu connais ses forces, tu connais ses faiblesses, tu connais ses préoccupations et aussi ses plus profondes aspirations. Nous te demandons de poser ta main sur lui, de le oindre de ton Saint-Esprit et permets qu'Hilaire puisse devenir un chrétien fervent, un chrétien bouillant qui, par son témoignage, gagne beaucoup d'âmes pour toi. Nous te demandons aussi de bénir sa famille élargie, que cette dernière puisse l'entourer, lui apporter le soutien dont il a besoin, afin qu'il puisse continuer à cheminer avec toi dans les meilleures conditions. Nous te demandons aussi de bénir l'église de Morija qui va l'accueillir. Permets au Dieu qu'il puisse s'y sentir bien et épanoui au milieu de ses frères et sœurs. Notre Dieu, notre Père, tu connais tous les désirs, les vœux d'Hilaire. Je te demande de tourner ta face vers lui ce soir et d'exaucer tous ses vœux selon ta sainte volonté. C'est notre prière en Jésus,
À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Éternel notre Dieu, nous avons accompli une part de la mission que tu nous as donné de faire. Nous avons baptisé Hilaire dans l'eau pour qu'il se joigne à toi dans ce tombeau liquide. Il repart maintenant pour marcher en nouveauté de vie avec toi. Et pour cela, Seigneur, il a besoin d'être rempli de ton Esprit Saint. Alors toi, maintenant, baptise-le de ton Esprit. Et que sa vie soit une lumière pour attirer les autres à toi. Amen. Au Seigneur, il y a probablement dans cette salle ou sur le net d'autres qui n'ont pas encore pris position pour toi, qui hésitent. Alors par ton Esprit Saint, convainc-les de venir à toi, car tu es très bientôt de retour. Au Seigneur, que ta paix et ta grâce reposent sur tous, là où ils soient, là où ils se trouvent, en Haïti, dans les Antilles-Guyane, sur le net, au Canada ou en France métropolitaine. Et que ton nom soit glorifié, je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vas-y, Denis, passe. Trente-trois mineurs sont piégés par un éboulement dans une mine de cuivre au Chili. Subitement, le monde s'effondre autour d'eux. Ils sont tous vivants à 700 mètres de profondeur. Très rapidement, les secours s'organisent. Un groupe de soutien est mis en place pour assurer leur survie. Le plus jeune mineur exprime ses pensées dans une lettre. Je veux dévorer tant de choses. Je suis plus affamé que jamais. Tous ces jours, j'ai rêvé que ma mère cuisinait pour moi. Ce sera bientôt la fin. Après le mauvais vient le bon. Au bout de 69 jours,
ils sont tous vivants et hors de danger. Leur optimisme a fait toute la différence. L'optimisme, cet état d'esprit qui nous incline à prendre les choses du bon côté, à croire qu'une solution est toujours possible. Les bienfaits de l'optimisme sont bien démontrés dans des études scientifiques qui associent l'optimisme à une meilleure santé physique, à une meilleure santé mentale. Être optimiste est aussi important que d'avoir une bonne tension artérielle ou un taux de cholestérol bas. Une personne optimiste ne regarde pas le négatif. Quand le négatif est entretenu, il peut, entre autres, conduire à deux situations. La première, la colère. Contre la colère, cultiver l'optimisme. Je vous propose ce conseil. Si tu es en colère, compte 10 fois avant de parler. Et j'ajoute ce qu'un jour a dit un ancien président des États-Unis. Si tu es irrité, compte 100 fois avant de parler. La deuxième situation induite par des pensées négatives est le découragement. Aujourd'hui, le découragement est un fléau qui n'épargne personne. Les causes peuvent être diverses et variées. Des problèmes dans la famille, des conflits au travail, les inconséquences de notre société, un accident ou des soucis personnels. Les conséquences du découragement ont un impact certain sur notre santé physique, mais aussi sur notre santé mentale. On peut citer le stress, les crampes d'estomac, les maux de tête qui se répètent. Appliquer l'optimisme contre le découragement est capital. C'est croire que la solution est là et ne pas se laisser gagner par le découragement. Vivre au cœur de la crise, c'est cultiver l'optimisme, une valeur à renforcer aujourd'hui, mais aussi un remède de qualité incontestable contre le découragement. Je vous souhaite de poursuivre cette réflexion avec le conférencier pasteur Florentin. Et j'aimerais vous dire ces deux derniers mots. Gardez le cap. Merci. Frappe toutes les nations avec des cruelles, elle tue sans distinction. Pour trouver la paix, trouver la guérison, dites-moi quelle est votre solution. Vive au cœur de la crise, sans perdre espoir quand tout semble noir,
en Jésus il nous faut croire. Au cœur de la crise, car en lui seul est notre victoire. Il est la seule et véritable voix. C'est lui qui nous console, qui nous relève. C'est lui qui nous donne de vivre sans perdre espoir. Vive au cœur de la crise. Guerre et bruit de guerre, nation contre nation. Allons à notre Père, ce monde est-il une destination? Pour trouver la paix, trouver la guérison. Dites-moi encore, quelle est votre solution? Vive au cœur de la crise, sans perdre espoir car tout semble noir. En Jésus, il nous faut croire. Vive au cœur de la crise, car en lui seul est notre victoire. Il est la seule et véritable voie. C'est lui qui nous donne de vie sans perdre espoir. Avec courage, espoir et victoire, vive au cœur de la crise. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers auditeurs et téléspectateurs. Ce soir, dernière édition de notre série de conférences, Vive au cœur de la crise. Je voulais remercier tout auditeur Radio Espérance qui était à côté en Haïti. Remerciements à tous les auditeurs de Radio Joie de Vivre en Guyane française et aussi à tous les auditeurs d'Espérance FM. Merci à tous les téléspectateurs d'Inter-Amérique, Hope Media Fétias, Hope Media Haïti. Nous voulons vous remercier de votre soutien et nous souhaitons que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse abondamment. Ce soir, je voudrais faire un clin d'œil particulier à tous les Martiniquais. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, 22 mai 1848, mes commémorations de l'abolition de l'esclavage. Ce matin, je suis passé du côté du Malecon, j'ai vu que tout le monde était en activité, tout le monde se préparait à fêter cette date. Je voudrais les encourager à continuer dans la fraternité, dans l'amour et se souvenir que la libération totale est en Jésus-Christ. Ce soir, mesdames et messieurs, je n'ai que 10 minutes pour partager avec vous une courte réflexion. Gardez le cap. Et je vous invite à lire avec moi deux passages avant de rechanter ensemble notre chantème. 2 Chroniques, chapitre 15, le verset 7. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Vous donc, fortifiez-vous. Amen. Et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Esdras, chapitre 10, verset 4, dit, « Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. » Dis ça à ton voisin, « Prends courage et agis. » Agis, prends courage et agis. On se met debout. Et avec le même enthousiasme, le même sourire, nous allons rechanter notre chantème et nous allons partager cette courte réflexion. Gardez le cap. Quand la contagion frappe toutes les nations, avec les prières et tu sens distinction. Pour trouver la paix, trouver la guérison. Dites-moi, quelle est votre solution? Vive au cœur de la crise, sans perdre espoir quand tout semble noir. En Jésus, il nous faut croire. Vive
au cœur de la crise. Car en lui seul est notre victoire, il est la seule et véritable voie. C'est lui qui nous console, qui nous relève. C'est lui qui nous donne de vie sans perdre espoir. Vive au cœur de la crise. Guerre et lumière, place aux contre nation. Allons-nous à notre perte, ce monde a-t-il une destination? Nous trouver la paix, trouver la guérison. Sans perdre espoir quand tout semble noir, en Jésus il nous faut croire. Vive au cœur de la crise, car en lui seul est notre victoire. Il est la seule et véritable voie. C'est lui qui nous donne de vivre sans perdre espoir. Avec courage, espoir et victoire, vive au cœur de la crise. Notre Dieu, notre Père, nous sommes vraiment heureux de nous retrouver dans ta maison une fois de plus ce soir. Nous sommes venus, Seigneur, parce que nous t'aimons, parce que nous voulons t'adorer et élever ton nom pour ce que tu es. Parle à nos cœurs une fois de plus ce soir et accorde-nous de garder la foi et cela jusqu'au bout. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir en la présence de Dieu. Gardez le cap. Le découragement se définit comme une perte de courage, une perte d'énergie. Elle se singularise par l'abattement, la lassitude, la démoralisation et l'accablement. Il peut causer des dégâts physiques, émotionnels et psychologiques. Le découragement est partout. De manière insidieuse, il se mêle de tout et met ta vie sens dessus-dessous. Dans le couple, il altère la communication et brise la relation. Au bureau, au travail, il étiole la motivation. À table, il peut couper l'appétit. À l'église, il peut saper l'harmonie et la synergie. Dans la chambre à coucher, il peut casser la libido. Dans ton intimité, il peut mettre ton moral à zéro. Il peut entrer dans ta vie spirituelle et éliminer toute envie de prier. Il peut entrer dans ton cœur et t'inciter à te suicider. Il peut entrer dans la vie de tes enfants et les détourner de l'église. Il peut entrer dans la salle de classe et faire basculer dans la fainéantise. Il peut te poursuivre dans la voiture et te pousser à la déprime. Il peut entrer dans tes relations et mettre à plat ton estime. S'il ne vient pas par Eric, il viendra sûrement par Frédéric. Et s'il ne t'attaque pas par Sophie, il te surprendra certainement par Virginie. Mon ami, si tu écoutes le découragement, il va te détruire. Si tu le laisses t'envahir, il finira par t'anéantir. Le découragement peut mener à bien des tourments. Dans Jean 16, verset 33, la Bible dit, « Je vous dis ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. » Parole de Jésus. Dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. » As-tu déjà observé l'attitude des oiseaux face à l'adversité? Pendant des jours et des jours, ils font leur nid, recueillant des matériaux parfois ramenés de très loin.
Et lorsqu'ils ont terminé et qu'ils sont prêts à déposer leurs œufs, les intempéries ou l'œuvre de l'être humain ou quelconque animal le détruit, envoie au sol ce qu'ils ont réalisé avec tant d'efforts. Que fait l'oiseau? Il se met dans un coin et il pleure. Il se paralyse et abandonne la tâche. En aucune façon, il recommence encore et encore jusqu'à ce que les premiers œufs apparaissent dans le nid. Parfois, très souvent, avant que naissent les oisillons, un animal, un enfant, une tempête détruit une fois de plus le nid, mais cette fois-ci avec le précieux contenu. Ça fait mal de recommencer à zéro. Ça fait mal de voir son travail détruit. Même ainsi, mesdames et messieurs, l'oiseau ne se tait jamais ni ne recule. Il continue de chanter, de construire, construisant et chantant. As-tu parfois eu le sentiment que ta vie, ton travail, ta famille n'est pas du tout ce que tu avais rêvé? As-tu parfois envie de dire, c'est assez, j'en ai marre, l'effort n'en vaut plus la peine, c'est trop pour moi? La vie te frappe ainsi parfois, mais ne te rend jamais. Hello? J'ai dit, ne te rend jamais. Dis une prière dans ton cœur, mets ton espoir en avant, appuie-toi sur Jésus, avance et fonce avec la force que tu as. Ne te préoccupe pas que si dans la bataille tu reçois une blessure, il faut s'y attendre. Ramasse les morceaux de ton espérance, reconstruis ta foi et fonce de nouveau. Peu importe ce qui se passe, ne faiblis pas. Va de l'avant. La vie est un défi constant, mais cela vaut la peine de l'accepter. Et surtout, n'arrête jamais de chanter les bienfaits du Seigneur. Romains 5, verset 3 à 5 dit: de plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Amen. Or, dit-il, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Hébreux 10, verset 36 dit, car vous avez besoin de persévérance. Dieu nous dit ce soir que ce dont nous avons besoin, c'est de la persévérance. Parce que la Bible nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il dit, nous avons besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ce soir, mesdames et messieurs, Jésus frappe encore à la porte de nos cœurs. Et il te dit, mon enfant, mon fils, ma fille, même si tu subis des revers, persévère. Je vais répéter cela. Même si tu subis des revers, persévère. N'aie pas peur, parce que je détiens les clés du bonheur. Combien voudraient dire, Seigneur, ce soir, aide-moi à ne jamais baisser les bras, sachant que tu es toujours à mes côtés. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que je sais que tu es avec moi. Et je sais que si je m'appuie sur toi, je serai victorieux au nom de Jésus. Et ce soir, toi qui me regardes sur Hope Fetias, Hope Media Fetias, Hope Media Haïti, toi qui écoutes au niveau de la radio, tu vas voir maintenant un QR code à l'écran. Tu peux en scanner le QR code, envoyer un WhatsApp, ou si tu es dans la salle, dans une église, combien voudrais dire ce soir, Seigneur, je n'ai pas eu l'occasion de te donner mon cœur ce week-end. Mais je te promets qu'au prochain baptême, je te suivrai jusqu'au bout.
Si tu es là ce soir, fais un petit geste de la main pour Jésus. Au prochain baptême, Seigneur, je te donne mon cœur. Si tu me regardes sur Hope Media, Fetias, Hope Media, Haïti, Inter-Amérique, scanne ce QR code et dis oui, Jésus. Ce soir, je veux inscrire mon nom sur le livre de vie. Je veux vivre l'éternité avec toi. Et que rien ici-bas n'entrave notre ardeur. Je veux vous inviter à vous tenir debout avec moi. Est-ce qu'on peut chanter le 357? Poursuivons notre course avec persévérance. Et que rien ici-bas n'entrave notre ardeur. Déjà par le but aux sublimes espérances. Regardons à Jésus. On y va. On va chanter avec toute notre force. Poursuivons notre course avec persévérance et que rien ici-bas n'entrave notre ardeur. Déjà paraît le but aux sublimes espérances. Regardons à Jésus. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Vous chantez tellement bien, je suis tenté de chanter la deuxième strophe. Deuxième strophe. Si la route parfois est ardue et sévère, supportons vaillamment. Fatigue. Fatigueuse et douleur. Quand le chemin des cieux doit passer au calvaire, regardons à Jésus. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Nous levons les mains vers le ciel ce soir, éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous te louons pour qui tu es. Nous te louons pour ta bienveillance. Nous te louons pour ta magnificence. Nous te louons, Seigneur, pour ta majesté. Nous te louons pour ton pardon. Nous te louons pour le salut que tu nous donnes en Jésus-Christ. Ce matin, Seigneur, nous levons nos mains vers toi, symboliquement, Seigneur, pour que tu puisses déposer dans la main de tes enfants la bénédiction dont ils ont besoin. Nous savons que la vie est parfois difficile et nous avons tendance à nous laisser aller au découragement. Ce soir, dans le nom de Jésus, nous disons non au découragement et oui à la persévérance en Jésus-Christ. Fortifie tes enfants, remplis-les de ton Saint-Esprit et permets-leur, Seigneur, de marcher de victoire en victoire. Peu importe les montagnes qui se dressent, peu importe l'obstacle qui se dresse devant nous, que nous puissions les traverser dans le nom de Jésus avec la force que tu nous donnes et ce jusqu'à ce que nous parvenions dans le royaume éternel. Oh Seigneur, nous réclamons une bénédiction ce soir pour tous les internautes. Qu'ils nous suivent sur Fetias, Hope Media Haïti ou Inter-Amérique. Qu'ils nous suivent sur les ondes de la radio Joie de Vivre, Espérance FM, Radio Espérance. Qu'ils soient sur d'autres plateformes, visite-les ce soir et accorde-leur, Seigneur, la délivrance dans le nom de Jésus. Seigneur, il y a beaucoup de besoins dans la salle ce soir. Tu sais toutes choses. Mais nous ignorons, Seigneur, la souffrance de nos frères et sœurs. Ce soir, envoie-nous avec l'assurance que nous sommes libérés. Puisque nous fêtons la libération aujourd'hui, nous sommes libérés de nos fardeaux dans le nom de Jésus. Libérés du péché dans le nom de Jésus. Libérés de l'angoisse, libérés de l'inquiétude, libérés de l'orgueil, libérés de la jalousie. Libérés au nom de Jésus.
Renvoie-nous libres ce soir. Renvoie-nous légers. Et garde-nous sous tes ailes. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mesdames et messieurs, chers amis, frères et sœurs en Christ Jésus, la prédication de l'Évangile ne se termine pas avec la fin de cette série d'évangélisation. La prédication de l'Évangile doit se poursuivre jusqu'à la fin du monde. Mais nous voulons déjà aujourd'hui remercier tous ceux qui ont collaboré à la réalisation de ce projet d'évangélisation. Je voudrais remercier nos frères et sœurs, nos collègues que nous n'avons pas vus, mais qui sont là, présents, qui étaient là chaque jour en Haïti. Et nous savons qu'il y a beaucoup d'hommes, de femmes qui ont donné leur cœur à Jésus là-bas. Et cela se poursuivra encore. Et nous voulons vraiment remercier le président de l'Union, pasteur Pierre Caporal, ainsi que toute son équipe qui a œuvré pendant toute cette période avec nous. Remercier également nos collègues en Guadeloupe, pasteur Pierre Dufet, président, pasteur Tony Gély également en Guyane française, mais aussi pasteur Taylor Lambert ici en Martinique. Ils ont vraiment collaboré, des hommes, des femmes se préparent, donnent leur vie à Jésus et nous voulons louer le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait, mais aussi pour tout ce qu'il fera encore pour nous. Et puis, nous voulons également remercier pasteur Taylor Lambert, il a tenu des capsules santé, vous vous souvenez, lors de la première semaine. Nous voulons remercier également sœur Dani Marival, c'est une collaboratrice responsable du ministère de la Santé, ainsi que du ministère des Possibilités, qui a œuvré aussi aux capsules santé. Remercier ceux et celles qui ont pu traduire pour nous avec la langue des signes. Vraiment, merci à toute l'équipe et nous croyons que le Seigneur portera également ce message par le biais de ce langage. Merci donc à vous. Et puis, pasteur Florentin, merci. C'est une poignée de main qui vaut tout ce pesant d'or. J'ai découvert pasteur Florentin, bien sûr, au travers de la prédication. Je le connaissais dans d'autres domaines. Il est, je vous le rappelle, le secrétaire exécutif à la mission de la Guyane française. Mais vraiment, en prédication, je t'ai découvert dans la prédication de l'Évangile. Et avec beaucoup de joie et de plaisir. En tous les cas, je voudrais remercier Katia et les enfants. Je pense qu'ils sont quand même à l'écoute, ils regardent. Il est un peu plus tard en Guyane française. Mais nous voulons vraiment les remercier. Et remercier aussi maman d'avoir été là pendant cette période. Je ne la vois pas. Je sais qu'elle elle est... Ah, souvent elle s'assied là-bas. Merci, merci d'avoir été là avec lui, de l'avoir soutenu. Vraiment de tout notre cœur, nous te remercions. Et remercier également, maintenant nous arrivons à vous, ici présents, présentiels. Remercier toutes les équipes. Vous ne pouvez imaginer le nombre de personnes qui étaient là comme des petites fourmis chaque soir. Et je voudrais vraiment souligner l'implication de tous les jeunes ici à Éphèse. Ah oui, au niveau de la technique, de la retransmission... Il y a une équipe au niveau de la musique, n'est-ce pas, Anthony, avec toute l'équipe, les musiciens, les chantres qui ont été là, certains avec des examens pendant la semaine, mais ils sont venus, ils se sont impliqués. Remercier également notre collaborateur Jean-Marc Médoff qui a organisé, orchestré tout cela. Et ce soir, nous avons goûté à... On était presque au ciel. Au ciel, j'ai dit presque, parce qu'au ciel, ce sera vraiment mieux. Mais on a goûté à quelque chose de délicieux, voilà, de succulent. Donc merci infiniment à toutes ces équipes. Et puis il y a eu la communication derrière avec Michel Sidoli, il y a eu les diacres, les diaconesses, l'équipe d'accueil. Nous avons également une équipe de prière. Toutes ces personnes qui étaient là
et qui ont permis la réalisation. Merci avec les collègues également, pasteur Crodet, pasteur Taylor Lambert, pasteur Lucia Hilary. Je risque d'oublier certains. Et puis, il y a mon collègue. Est-ce que tu pourrais venir deux petites secondes? Mon collègue qui est avec moi à l'Union, pasteur Jacques Bibrac. Alors, il a un petit souci au niveau de la gorge. Il ne revient pas de métropole, mais c'est pour se protéger, justement. Comme c'est un prédicateur de l'Évangile, je lui ai demandé de porter la bonne parole hier dans une communauté, et il a encore perdu un peu la voix. Donc, il la protège. Pasteur Jacques Bibrac, mon collaborateur à l'Union au niveau du secrétariat, il y a aussi Jonathan Capricorne, qui est le trésorier. Nous avons été vraiment heureux de vivre avec vous cette quinzaine. Mais nous voulons vraiment que cela se poursuive. Mais cela ne peut se poursuivre qu'avec vous. Avec notre implication de chacun, là où Dieu nous a placés, afin que son amour puisse transpirer dans nos relations les uns avec les autres. Jésus l'a dit dans l'Évangile selon Jean au chapitre 13, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pasteur Bibrac, je voudrais te permettre de dire quelques mots et puis de nous offrir également la dernière prière. Tu veux bien? Oui, il n'y a pas de souci. Continuons à prêcher l'Évangile. Ce sera mon dernier mot. Je voudrais vous inviter à prier avec moi, s'il vous plaît. On se met debout. Éternel, notre Dieu, notre joie est grande en ce soir. Grande parce que tu nous as associés à l'annonce de l'Évangile. Quel privilège pour un être humain d'être associé à Dieu pour porter une parole de vie, une parole de salut. Et nous voulons te remercier pour cela. Nous voulons te remercier pour ce que tu as fait au cours de ces deux semaines. Pour te remercier pour ce que nous avons vu, merci pour ce que nous n'avons pas vu, parce que tu agis dans le secret. Nous voulons te glorifier, nous voulons élever ton nom et te dire que sans toi, rien n'aurait été possible. Que tu puisses continuer à mettre dans notre cœur cette envie, ce désir, cet amour pour la prédication de l'Évangile, afin que d'autres personnes puissent te donner leur vie. Et nous savons qu'il y a plus d'un qui souhaiterait en ce soir passer par les eaux du baptême. Nous te demandons, Père, nous te supplions de leur donner ce temps afin qu'ils puissent s'approcher du trône de la grâce et recevoir de ta part de multiples bénédictions. Mais tu sais, Père, que notre désir le plus ardent, c'est de voir Jésus revenir sur les nuées des cieux. Et comme l'a dit le pasteur Florentin, que nous puissions continuer à persévérer jusqu'à la fin, afin d'être debout lorsque notre Seigneur reviendra et que nous puissions l'acclamer comme roi des rois et passer l'éternité avec lui. Père, merci pour ta parole qui nous fortifie, qui nous encourage au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Voilà, j'invite les chantres à s'approcher pour qu'ensemble nous sortions au rythme de notre chantème. Et j'espère que vous garderez en mémoire ce chantème, parce qu'il a été créé pour cette occasion, vivre au cœur de la crise. Merci. Merci à tous. On va se lever et chanter une dernière fois ensemble ce chantème. On y va. Quand la contagion frappe toutes les nations, avec écouillère, es-tu sans distinction? Pour trouver la paix, trouver la guérison, dites-moi, quelle est votre solution?
vie au cœur de la crise. Sans perdre espoir quand tout semble noir, en Jésus il nous faut croire. Vie au cœur de la crise, car en lui seul est notre victoire. Il est la seule et véritable voie. C'est lui qui nous console, qui nous relève. C'est lui qui nous donne de vivre sans perdre espoir. Vive au cœur de la crise. Et lui de nation contre nation. Allons-nous à notre Père, ce monde a-t-il une destination? Vous trouvez la paix, vous trouvez la guérison. Dites-moi encore, quelle est votre solution? Au cœur de la crise, sans perdre espoir quand tout semble noir, en Jésus il nous faut croire. Vie au cœur de la crise, car en lui seul est notre victoire. Il est la seule et véritable voie. C'est lui qui nous donne de vie sans perdre d'espoir. Vive au cœur de la crise. Avec courage, espoir et victoire. Vive au cœur de la crise. Merci à tous pour votre soutien. J'ai apprécié chaque minute, chaque instant passé en votre compagnie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Quand nous sommes en danger, nous sommes heureux.
la contagion frappe toutes les nations. Aveugle et cruel, elle tue sans distinction. Où trouver la paix, trouver la guérison? Dites-moi, quelle est votre solution? Vivre au cœur de la crise, sans perdre espoir quand tout semble noir. En Jésus, il nous faut croire. Vivre au cœur de la crise, car en lui seul est notre victoire. Il est la seule et véritable voie, c'est lui qui nous console, qui nous relève. C'est lui qui nous donne de vivre sans perdre espoir, vivre au cœur de la crise. Guerre et vie de guerre, nation contre nation. Tu représentes pour moi.
Je ne pourrai jamais payer le prix de ton calvaire sur la croix pour ma vie. Mon abri, mon secours, mon seul appui. Je te loue pour ce que tu es. Je ne pourrai jamais payer le prix de ton calvaire sur la croix pour ma vie. Mon abri, mon secours, mon seul appui. Je te loue pour ce que tu es. Ouh, je ne pourrai